Salut à tous, c'est Chris Carter pour YouTube Pink Stomp Stomp sur Twitch et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Far Cry 6. Allez, dégager les derniers trucs de la zone avant de faire la quête principale. À mon avis, ce sera sans doute une des dernières de la zone d'ailleurs. De la fumée. C'était un crash. Papy, t'es là? Respire, Big Papy. Je sais pas. Il y a une minute, je volais tranquille dans le ciel et d'un seul coup, je me retrouve ici à chercher le paquet de Juan. Faut qu'on bouge. Les soldats vont pas tarder. Non! Je veux ce paquet. Je pars pas. Tu sais pour combien il y en a? Contente-toi de me couvrir pendant que je cherche. Ça va être une connerie encore. Ah, peut-être par là. Ah.
Juan va me tuer. Mais on n'a qu'une vie. Et je pose pas pour des clous. Je suis à la retraite, espèce de petit enfoiré. Cognon, il est vraiment bizarre. Il a surtout l'air d'être un petit peu seul, un petit peu pas seul dans sa tête, lui. Mais qu'est-ce que tu fous ? Attends, le mec, il est en train de pisser, sérieux ? C'est pas vraiment le moment, hein. T'en fais pas, tu crains plus rien. Alors, il y a quoi là-dedans? Des petits bonbons. De toutes les couleurs pour notre fête. L'avion n'avançait pas alors. J'en ai testé deux ou trois. Bon, ok, peut-être plus que ça. Bordel, écoute-moi. On a un gars, Benito, qui mène des opérations au large pour aider la révolution. L'éclat total. Ah, on dirait bien que Libertad a besoin de moi. Mais si la fête est pourrie, tu me devras des bonbons, compris? Tiens, prends un t-shirt Big Papi. Ok. Bonbon, petit bonbon. Il est carrément à l'ouest.
Laisse le nord et le sud aussi, tant qu'à faire. Ah ben, je commence à avoir le hockey de mieux en mieux. Ah, tu tombes bien. Bichot pète les plombs. Il raconte que ce qui nous est arrivé à Tali, à toi et moi, c'est de la faute de Bembe. La nuit c'est pas dernière, faux. Il s'est tiré pendant qu'on dormait. Je parie que cet abruti est parti à sa recherche. Me demande pas comment il croit pouvoir le retrouver. Bichot nous a toujours soutenus. Et nous, on n'a jamais... Retrouve-le, ok? On part en guerre. Je dois rallier tout le monde. Les entraîner. Ça veut dire qu'on n'abandonne personne, pas même Bichot. Bonne chance. Vu où on en est, personne n'a... Ah non, ça l'a pas validé la quête! Oh non! Pff, faut que j'y retourne, fais chier! Alors, on me dit pas que je dois recommencer toute la quête, s'il te plaît. Ça n'a pas l'air dans ton assiette. Alors, il y a quoi là-dedans? Des petits bonbons. De toutes les couleurs pour notre fête. L'avion... Allez, j'ai plus qu'à rapporter tout ça à Juan. T'as bien mérité un t-shirt Big Papi. Bonbons, petits bonbons. Il est carrément à l'ouest. Ah, quand même. Juan, ton consultant est sain et sauf. Gracias. T'as rencontré un sacré guerrier, tu sais. Papy est un vrai combattant. Ouais, il s'est battu pour trouver sa drogue pendant que j'affrontais les soldats. Danny, la vie est courte et ennuyeuse si on la pimente pas un peu. Papy me donne une bonne dose d'épices. T'inquiète pas, je t'en garderai un peu. Ouais, compte là-dessus. Il en a déjà pris la moitié pendant le vol. Les moments calmes, ça a l'air de l'emmerder. Il pourrait aider Libertad. Ouais, bonne idée. Et ça lui fera éliminer la drogue qui vient de me rafler, ce salopard. J'irai lui parler. Bichot! Bichot! Espèce de con, où tu te planques?
Donc Bembe achète des armes à l'armée. L'échange devait se faire au rodéo. Alors Bembe, on détourne du Viviro? Je ferais mieux d'aller voir cet entrepôt. Si je trouve Bembe, je trouve Bichot. En vie, j'espère. Hé, hey, Paolo. Je crois que Bichot a fait une connerie. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il est parti se payer, Bembe. Mais qu'il est con. T'en fais pas. Je le trouverai avant que ça parte en couille. Fais vite, Penny. Bichot, fais pas de toi face à un type comme Bembe. Bichot a lâché les taureaux sur tout le monde. Alors Bembe a flippé et tué l'acheteur. J'imagine que Bichot l'a suivi. Je dois garder mes mains. Paolo, ce crétin a planté un des deals de Bembe au marché noir. Il a laissé s'échapper les taureaux dans un genre de rodéo. Putain de merde! Il va finir par se faire tuer. Je laisserai rien lui arriver. Reste sur tes gardes, Dani. Ok. Attention, Dani. Tirée lourde. Il y a des otages. Merde. Par ici. Donne-moi un coup. Tu peux m'aider? Courez! Merci infiniment. Écoutez, c'était pas nous. C'était Enrique. C'est lui qui volait du vivero. Il est encore là, je crois. J'ai pas d'armes! Tirez pas!
Ça, ça dépend de toi. T'as vu passer un gamin un peu dingue? Bavard, une coiffure style ananas? Ouais! Il est venu en brandissant un flingue! Il m'a ordonné de lui dire où vivait mon acheteur, Bembe! Et tu lui as dit? Oui, et il est parti en courant! Tu peux me dire où vit Bembe? Personne sait précisément où il habite, mais c'est à Cruz del Salvador, près de la frontière. C'est tout ce que je sais, juré! Laisse-moi partir. Paolo, je sais où trouver Bembe. C'est là que tu trouveras Michou. Exact. Pas de panique, Paolo. Je pensais pas que ça allait marcher. Bichot, mais putain! Dégage de là, Danny! Je vais exploser le crâne de cette merde! Ça m'étonnerait. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que je peux pas, hein? Bichot, écoute-moi bien. Tu pensais que ça arrangerait tout de venir ici? Hein? Mais tout se passe pas comme prévu, c'est ça? Qu'est-ce que t'en sais, sale connard? Je sais que t'es pas un tueur. Regarde comme tu trembles. T'es qu'un putain de chien. Un trouillard, tu vaux rien. Ouais, mon grand. Tu prends sans rien donner en échange. Bichot, n'écoute pas ce fumier. C'est ça, Bichot. Un petit toutou à sa maman. Wow, attends. T'es pas un Bichot. T'es pas un Kleps. Comment tu t'appelles en vrai? Tu veux que tout s'arrange? Appuie sur la détente. Toi, tu fermes ta gueule tout de suite. Je m'appelle Pass. Ok, cool. Tu t'appelles Pass. T'es Pass. T'es pas un Bichot. T'es pas un chien, t'es Passe. Et on a besoin de toi, vraiment. Coriace, le gamin. T'es qu'une pauvre merde. Au moins, je mens pas, mes amis. Je dis ça comme ça. Mais j'ai tenté de le sauver. Il faut me croire. Salut, Paolo. Danny, dis-moi que Michou va bien. Si. J'ai réussi à le convaincre de pas faire une grosse bêtise. Il est un peu sonné, mais ça va. Oh, merde. Merci. Et Bembe? Toujours vivant. Toujours pourri. Merde. J'espérais que tu me dirais une chose. Il y aura toujours un Bembe, Paolo. Mais il y a qu'un seul Michou. Quand Michou sera de retour, dis-lui ce que tu ressens. D'accord? Ça lui fera du bien. Compte sur moi. Promis. Merci, Danny. Danny, comment vas-tu? Je survis, gracias. Et j'ai une nouvelle cicatrice à montrer à mes amis. Tu peux rigoler, Danny. C'est les cicatrices pour ta tête qui m'inquiètent le plus. Écoute, c'est la merde ici. Il y a une infection. Des médicaments. Je parierais que Castillo en a en réserve. C'est ça, d'accord. Fouille les trois postes de contrôle sur la route à l'ouest de ma clinique. Vite, Danny. Cherche Talia en dépôt. Oh, s'il te plaît, dis-moi que je les ai tous libérés. J'ai les médocs. C'est parfait, Danny. Rapporte-les-moi à Barial. Dépêche-toi, Talia en a besoin. À tout de suite.
Personne m'a dit qu'il y avait une fête. Elle est si calme. Si, grande réunion. On doit attaquer le docteur. Non, tu dois rester là. Nous, on doit y aller. On les abandonnera pas. Non. Les Maximas Matanzas, c'est Libertad. Les images du zoo de Castillo ont dévoilé le prix du paradis. Les gens veulent nous rejoindre grâce au concert. Radio Libertad inspire. Mais vous êtes devenue une distraction. Maria est morte. On vise le Viviro maintenant. El Doctor, c'est la clé pour niquer la machine Afrique de Castillo. Et il est dans la capitale. Non, c'est faux. Mes hommes gardent un œil sur lui. Je l'avais devant moi. El Doctor est accro à son boulot. Il est pas prêt de bouger. Mathias a des infos. Sergio Esteves, le bras droit d'El Doctor. Ses essais cliniques ont tué des tas de gens. Il nous mènera à El Doctor. Tu devais pas partir aux US? Tu les trouves un peu tard, tes couilles. Je savais bien que t'étais soldat. Paolo, tu as raison. Je suis pas ton chef. Mais il a suffi que tu sois pas là pour que Talia procède à des exécutions. La révolution, c'est le chaos. Mais un chef doit savoir y mettre de l'ordre. On y va. Choisis, Danny. Ah, genre vraiment ? Pedro Torero, ça c'était un putain de musicien. Maintenant qu'il n'y a plus papa et maman. On veut Sergio. Je le trouverai. Et on ira saluer le docteur. Belle baraque. Ça paie d'être un vrai Garan. Je devrais aller voir à l'intérieur. Salut, c'est Paolo. C'est juste pour te faire un petit topo sur Sergio. Tu vois quel genre de monstre il est. Ce salopard a fait des expériences sordides sur des milliers de parias. Même sur des enfants, Danny. C'est immonde. Et tout ça pour apporter du pognon à Biovida. Cogno. Faut que j'arrête cette enfoirée. T'y arriveras. Bonne chance. Paolo, t'as envoyé des renforts? Oui. Laisse-les s'occuper des soldats. Concentre-toi sur Sergio. Grazie. Je me suis fait repérer. Quelqu'un a prévenu El Docteur de notre arrivée. Et nous te fournirons la protection adéquate. Castillo a besoin de toi et moi. Nous avons encore. C'est un meurtrier. Quelqu'un a prévenu ce hijo de puta. Je dois aller à la marina. Sergio risque de filer sur son bateau. Oh, bordel.
bordel. Voilà ce sac à merde de vrai Yaran. Merde, il est rapide l'enfoiré. Combien elle vaut cette caisse ? Tu sais pas qui t'a fait ? Hey. Arrête de me suivre ! Bordel, tire-toi de là ! Commotion cérébrale sérieuse, lacération, épaule déboîtée. Yes. Laisse-moi deviner, tu vas me soigner pour me montrer que tu vaux mieux que moi. Dis-nous, ce plan, quel docteur ? Il est à la fabrique de Vivian, au bâtiment 13. Mais putain, Paolo ! Tu crois quel docteur aurait ses camps de paria sans l'aide de fumier dans son genre ? Rien de tout ça, rien de tout ce merdier ne serait arrivé sans des médecins de son espèce. Je l'emmerde. Fini la compassion. Et traumatisme crânien important. Merde. Danny. Retrouve-moi au poste de guet près du labo de Biovida. On va frapper le docteur chez lui. Putain, c'est pas trop tôt. On va le tuer, toi et moi, Danny. Et on va aussi frapper Castillo là où ça fait mal. À son putain de portefeuille. Hé, Paolo, t'as réussi à me faire sourire. À bientôt. Bon, du coup, moi, je vais m'arrêter là et je vous dis à très vite pour la suite. Salut tout le monde!